danse orientale. Nous allons parler aujourd'hui de la posture, qui est un élément fondamental pour d'abord protéger notre corps quand nous dansons, et aussi pour avoir la clé pour comprendre une partie de la gestuelle en danse orientale. Nous commençons. Donc nous écartons les jambes à largeur du bassin. Nous laissons tomber légèrement les genoux. Voilà, maintenant nous abordons une partie très importante au niveau du bassin. Je contracte le périnée qui amène une contraction des abdos, puis le bassin qui se rétroverse. Je me mets de profil. Là, je suis en position neutre. Je contracte le périnée, contraction des abdos, bassin rétroversé. Et là, je suis maintenue, mon bassin est soutenu, je peux danser en danse orientale. Mais la posture n'est pas finie. Il me reste à étirer la colonne, baisser les épaules, le menton un peu relevé, et les bras, nous allons les positionner de part et d'autre. Donc là, nous allons maintenant apprendre quelques mouvements d'entraînement pour tester à chaque fois notre bonne posture, puis rajouter des bras et finir en musique. Donc on repart depuis le début, jambes largeur du bassin, genoux légèrement fléchis, périnée abdo-bassin. On s'étire, épaules basses, le regard un peu loin, le bras en position de base. Et là, on va commencer par faire ce qu'on appelle côté-côté, côté-côté. Donc dans ce mouvement-là, c'est le bassin qui s'étire et qui s'étire. On peut s'imaginer un fil qui nous étire. Et là, on travaille les obliques. Le bassin est bien sûr rétroversé, toujours en position. Deuxième mouvement, je me mets de profil. C'est parti pour la posture, périnée à deux bassins. Je mets les bras comme ça pour voir. On va faire un off, in, off, in. Donc ce n'est que le ventre qui bouge. Le bassin lui reste en place, il est verrouillé toujours. Off, in, off, in, off, in. On ne sollicite absolument pas les lombaires. Ok, on reprend. Périnée abdo-bassin, genoux fléchis un peu, hein, on rappelle. Épaule basse. On va monter et aller maintenant sur la poitrine. On fait des ronds de buste. Vous remarquerez que je ne fais pas de grands ronds de buste parce qu'on perdrait l'isolation. Nous, ce qu'on veut, c'est bouger que le buste et pas le reste. Vous choisissez le centre qui vous correspond le mieux. Parfait. Moi, j'imagine que ce mouvement, il est basé sur mon plexus. C'est ça qui nous fait bouger. Vous pouvez vous dire aussi que c'est votre buste qui vous lève. À vous de trouver la bonne image qui vous aide à sentir le mouvement. Maintenant, on va faire des hauts et des bas avec le buste. Haut, bas, haut, bas, haut, bas. Toujours, le reste ne bouge pas. On essaye. Le bassin est verrouillé. Ce n'est que le buste qui fait haut, bas, haut, bas, haut, bas. Dernier mouvement, périnée abdo-bassin. On fait donc des accents. Accent de hanche. Autant pour côté-côté, les jambes ne travaillent pas. Autant pour les accents, on fléchit un peu plus les genoux. Et ce sont les genoux et les hanches qui nous font bouger. Si j'étais en position non orientale, je me mets de profil, je suis en neutre, je pourrais faire ça. Étant en position orientale, périnée abdo-bassin, je suis comme ça, je suis un peu plus limitée dans le mouvement et c'est normal. Ce qui est important dans ce tuto-là, c'est de toujours avoir la bonne posture. On pourrait être tenté avec certains mouvements de se relâcher et il faut veiller à ne pas se relâcher justement. On révise. Côté, côté, reviens. On va faire ensuite un off-in, rond de buste, un moment bas. Et après la fin de hanche, 1 et 2 et 3 et 4. Et on finit par double accent d'un côté, double accent de l'autre. Vous choisissez à chaque fois de partir à gauche ou à droite, ce n'est pas important. Pour les personnes avancées, vous pouvez rajouter des tremblements si vous voulez. Vous pouvez donc agrémenter comme bon vous semble. Avec les comptes, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
bras restent à leur place. Off in qui fait 4 secs, pareil. 5, 6, pas de bras. 7, on monte et on place derrière la tête. Et 8. Les coudes se rapprochent, les bras descendent et se replacent en position initiale. Pendant ce temps, on fait nos 4 accents. On est là. 1, 2, 3 et 4. Il ne nous reste plus que les doubles accents. Double accent, les bras descendent. Double accent, les bras se replacent. Et là, on recommence. 1, 2, 3. Bon, j'espère que ce tuto vous a apporté quelque chose.